Voici l'arrivée du colis, vendredi, à partir de 2h30. C'est prévu pour lundi qui vient, le lundi 6, mais là on est le 3. On est le vendredi 3. Il est là. UBS livraison. C'est un colis de 18 kg. Donc on va s'amuser à ouvrir. Je ne sais pas si ce petit couteau chirurgical arrive à couper. Un truc comme ça, ça m'a l'air oui. Ça m'a l'air bien, oui. C'est un truc. Bulle de protection, c'est bien protégé. Ensuite, on voit IQ Corsair, donc boîtier Corsair. Mini moyen tour IQ 465X RGB. On va débarrasser. Bon, je le retresse. Et là, ils ont mis un câble de courant à la norme française, Europe 2. C'est neuf, il n'y a rien d'autre. Non. Il n'y a rien d'autre avec. Là, on va ouvrir le paquet ici. Alors j'ai vu dans les commentaires de ceux qui ont commandé qu'ils ont toujours des boîtes et toutes les fournitures qui vont avec. Je fais coucher le carton afin de faciliter le déballage. Ah oui, d'accord, c'est ici. Tout le matériel qui sont avec la carte mère ou avec le boîtier sont ici. Donc les mini câbles, tout ça, là, ils sont ici. Ok. Par contre, il n'y a pas de carton. Hein, carton. À part, non, même pas. Ok. Donc, on va traîner un peu. Voilà.
Et dedans, il y a un petit bout de quelque chose. Voilà, c'est ici. Donc, j'ai retracé la boîte, la tour plutôt. Et c'est sur le derrière. Sous plastique. Donc il faut ressortir, sinon je peux pas retirer le plastique de protection. Aimanté, ça filtre aimanté de la marque Corsair. J'avais l'ancien boîtier qui est identique, mais on dirait le plus petit que mon ancien filtre. C'est le boîtier plus petit. Donc, ils ont carrément collé un autre collant de Vekapor. Des trous pour attraper la poussière ici. Ça c'est mauvais, c'est très mauvais de faire des trous comme ça pour attraper la poussière. Donc apparemment ils ont laissé un paquet dessus, ça doit être la couverture comme je disais. Donc important avant d'utiliser votre PC, vous voyez, s'il vous plaît, impérativement ouvrir l'ordinateur et retirer la protection mousse protégeant vos composants lors du transport. D'accord. On a mis une alerte. Pas mal. Bon. En verre ou en plastique devant. Donc, il y a un verre devant avec l'écrou manuel pour ouvrir, fermer. Et. Pouvoir visser, dévisser facilement à la main. Quatre. Voilà. Donc je vais dévisser ça. Donc il est préférable de le faire coucher avant de faire tout casser. Donc je vais le mettre en position couchée d'abord. Voilà. Je mets en position couchée et je retire tous les écrous afin de retirer la vitre et enlever les protections à l'intérieur du PC comme indiqué ici. Pour la protection. Voilà, comme ça. Ah, la protection, il n'y a rien d'autre là. Juste la protection. On dit une couche pour les personnes âgées là. Donc ici j'ai en haut, en bas, je dois tourner et je vais vous dire, apparemment à coup d'œil, le câblage est bien fait parce qu'on a vu que c'est très propre, très épuré au niveau câblage. Qu'est-ce qu'on voit? On va zoomer dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà il n'y a que deux ventilateurs sur le water cooling
pour refroidir le processeur qui est ici. Il est placé correctement vu que là on a le pied ici. Du coup, il le met dans le bon sens. Water cooling. Attends. Une panette. Voilà. Les 4 barrettes RGB. La carte graphique qui a pris 3 places carrément. 1, 2, 3. Ici on peut plus rien mettre pour la troisième. Il a pris 3 places. Pour le plus important pour moi. Ah putain, ils l'ont fait comme ça. La carte M2, ils n'ont pas mis de refroidisseur de plaque comme ici là. Ils n'ont pas mis une plaque. On voit bien, il y a le trou là pour visser comme ici, pour visser la plaque ici. Et là, ils n'ont pas pris. Ils ont dit sur cette carte il y a 3 emplacements pour le SSM. Et là, je n'en trouve qu'un seul. Il faut que je revoie. Le port HDMI qui n'est pas protégé. Apparemment, ils ont essayé. Vérifier si le bon fonctionnement du PC, mais ils n'ont pas remis la protection. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les câbles ici. On trouve parfait. Troisième ventilation ici. Je viens de voir. Donc il y a 2 ici. Et troisième ventilation qui est ici. Donc il a bien 3 ventilations. Donc 4 barrettes de RAM, tout la carte mère ici avec des plaques de refroidisseur là, ici là. Là, ici la plaque, il me manque une plaque ici, ils n'ont pas installé, je crois. Je vais vérifier la carte mère s'il y a la plaque qui va avec. Ok, donc je vais vérifier le branchement. Ici, je vais voir la puissance de l'alimentation aussi. Ok, en fait, ils ont mis. Ah oui, c'est par défaut. Il y a 2 ventilateurs qui vont avec, avec ce boîtier. Et c'est ici pour l'extraction. Regardez le sens du ventilateur. Le palme il est bombé vers l'intérieur. Et c'est creux vers l'extérieur. C'est une extraction d'air. Et c'est pareil pour lui. Alors que si on regarde celui de face, normalement ça doit être le contraire. Ça doit être creux devant et bombé ce côté. Là, je ne sais pas si on voit. Donc, oui, ok, c'est bon, c'est dans le même sens. En fait, il fait aspirer l'air, rentrer ici, il aspire l'air pour faire sortir. D'accord. C'est placé correctement. Voilà. C'est bon pour cette partie. Bon, je retire la carte mère, non pas la carte mère, la carte graphique pour vérifier un peu. Et là par contre, c'est difficile à dire, j'ai pas les informations sur la carte M2, le stockage M2. Donc celui-là qui n'a pas de protection, c'est un peu bizarre. Normalement, avec ma première carte mère, j'ai la protection pour tout le monde et pas lui. Donc c'est un peu bizarre, je trouve. Et regardez, il y a une mini ventilation
Ici, c'est bien. Et la carte mère. La carte graphique. Pourquoi je dis toujours la carte mère? La carte graphique, ici, que j'ai retirée. Donc, c'est PCI 4, 16, qui est à côté le M2. Horloge. Ici, il y a là, celui-là. La prise pour la carte graphique ou pas qui est branchée sur celui-là. Et je vais vous montrer maintenant la carte graphique que j'ai ressortie. Voilà qui est là. Donc c'est à l'envers. D'accord. Donc ça a pris 3 places exactement, c'est-à-dire il prend les deux fentes, ok, mais sauf qu'avec les ventilations tout ça, il va sortir jusqu'à 3e place, donc c'est-à-dire il va gêner cette grille là. On peut rien mettre sur la 3e grille ici. Donc ça prend de ici jusqu'à ici au niveau ventilation. Qui est ici là. Zotac. De la marque Zotac. Voilà la carte graphique avec 3 ventilations, c'est très bien. C'est un RTX 3080, c'est celui que je voulais depuis un bon moment, mais qui est en rupture de stock partout. C'est assez lourd, hein. C'est très très lourd. Donc 3 ports DP, DisplayPort. Et un port HDMI qui n'a pas de protection comme cela, parce que je pense qu'ils ont testé avant de m'envoyer le tour pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc la carte graphique, je le pose ici. Et sinon, Corsair au niveau water cooling. La tour 465 Corsair. Alimentation, je vais vérifier, c'est bon. Là, ici, alimentation 850 Gold 80+. C'est très bien, c'est ce que je voulais aussi comme puissance. Et ventilation avec les ventilateurs Corsair, pareil, c'est tout, hein. Je pense. Ah oui, moi je vais vous montrer le paquet. Dans, ils ont mis tous les pièces de la carte mère et de l'alimentation. Ça c'est le pot de boîtier pour mettre des disques SATA et disques HDD. Ici Asus, la carte mère, c'est la notice manuelle, notice de Mecaport, bon, pour dire comment vous recevez le paquet, qu'est-ce qu'il faut faire, retirer les protections, tout ça, il faut faire attention. Voilà, c'est écrit en français, en multilangue. Bon, c'est bien. Sinon, pour l'alimentation, les différents câbles. Ici. Câble SATA. Câble d'alimentation. À l'ancienne. Asus carte mère. Celui-là. Là, c'est quoi? Ah, j'ai oublié de dire, sur la facture, ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer une souris qu'ils offraient pour les 5 premiers achats de cette tour. Et là, j'ai pas de souris qui va aller. Ça, c'est quoi? Carte mère Asus, donc. Les CD. Donc, un conseil, n'installez jamais les CD qui va avec votre matériel.
souvent, c'est des drivers, c'est des applications de pilotes qui sont anciens déjà, dépassés déjà. Donc, il faut installer à partir de l'internet, télécharger sur internet, aller sur le site du fabricant ou du fournisseur et télécharger les dernières versions de pilotes. Celui-là, c'est l'antenne pour la carte graphique. Donc c'est à peu près la même chose que mon ancien carte mère. Par contre, sauf que mon antenne, ah oui, non, c'est pareil. C'est exactement pareil que l'antenne de mon Asus ROG Strix 390, mon PC actuel, que je n'ai pas encore remplacé avec la nouvelle. Celui-là, c'est le boîtier, non, ah non, c'est alimentation, 850. Manuel de l'alimentation. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Corsair. En fait, tout est basé sur Corsair et carte Asus carte mère. Des petits visseries. Voilà. Donc ça, ils ont fait ça pour protéger, pour ne pas écraser les deux côtés. Je ne sais pas si j'arrive à ouvrir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des serre-câbles, des visseries. Apparemment, ils n'ont pas utilisé. Chez les apports, ils ont leur propre matériel pour travailler de façon rapide. Donc il n'y a pas de boîte de matériel qui ont installé. Ici, c'est des vis pour la vitre trempée, pour le boîtier. Il y a encore un petit visserie. Voilà, on va remettre tout ça dans le paquet. Ça fait beaucoup, tout ça. Tout ça. Ça, par contre, amplifie, c'est quoi ça? Ah, la carte graphique RTX NVIDIA. Je tape, ok. La carte graphique. Donc, je remets tout ça dans le paquet. Je vais vérifier les deux SSD de perce du Samsung 980, celui qui coûte le plus cher, là, avec la vitesse de feu, au niveau vitesse d'écriture. Câble pour le branchement, on va tester. Hein. Et pour la tour, il y a un petit manuel pour la tour ATX. Et ça, c'est la facture Megaport. Donc, voilà comment vous laissez une évaluation. Ok. D'accord. Voilà. On va réinstaller. Je vais ouvrir. Je vais démonter la. Là pour vérifier quand même. Thank you.
Au-dessus, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Il y a une grille anti-poussière aimantée ici, c'est-à-dire en pose, et ça aimante directement sur la surface du boîtier du haut. Donc, pour ressortir, pour nettoyer le filtre. Et repositionner facilement. Il est beaucoup plus petit que mon ancien tour qui est de la même marque, Corsair Kadit, je ne me rappelle plus, mais il est plus grand le filtre. Donc, bouton d'allumage, en fait tout simple en fait, allumage de USB 3.1 je crois, ou 3.0, une seule prise de jack pour micro et pour le casque, et bouton reset que je vais utiliser pas mal vu les tests que je fais. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi le logo qu'ils ont collé, Megaport, qui ont assemblé ce PC 12. Voilà. Sinon, le filtre. Donc ici, j'ai retiré le filtre de devant. Il y a un filtre et les trois, les quatre vis qui maintient ici, c'est ici. Voilà, qui maintient la vitre et le filtre de devant. Ici, on voit la vitre sur plastique. Marque Corsair, donc c'est la vitre de devant. Donc cette année ça respire sur le côté, il y a un trou là sur le côté, et le devant est protégé par la vitre ou le plastique pour protéger la ventilation, l'aération de devant. On va zoomer un peu pour voir. Voilà. On dévisse tout simplement les deux vis qui sont ici. Une fois dévissé, regardez, il y a une petite poignée sur le côté. Ici, on met la main ici. Et ça s'ouvre normalement. On va poser ici. Voilà le câblage. Les personnels de Megaport ont installé. On voit ici l'alimentation de la marque Corsair, toujours tout ce qui est prise ici. Apparemment, il n'y a que trois places pour les différentes prises. Ils ont fait des serres pour bloquer afin que le câble ne part pas n'importe où. C'est assez bon travail, hein. Il n'y a pas à dire. Serré ici, voilà. Donc c'est un emplacement spécialement pour le boîtier alimentation et les câbles afin de le rendre invisible de l'autre côté vitré. J'ai mes doigts qui cachent. Voilà, en fait il n'y a pas grand chose à voir ici. Là ici c'est pour c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc pour les SATA, pour mettre les disques, là ici on va mettre les pinces que j'avais montré avant. Ici on va fixer ici pour les boîtes, pour les disques durs HDD. Donc ici pour les boîtiers externes SATA. Et le contrôle des RGB
c'est avec logiciel, donc comme il n'y a rien ici, c'est contrôlé par logiciel. J'ai aucun bouton en fait, aucun boîtier, alors qu'avec mon ancien Corsair boîtier, il y a un bouton, il y a un petit console de contrôle sans passer par le logiciel. On va zoomer un peu pour voir un peu ce qu'il y a. Donc un trou pour le passage des câbles, et il devrait y avoir un deuxième quelque part ici, la deuxième ici. Après il y a le passage de en haut ici et ici. Donc ils sont passés partout hein, en fait ils sont passés partout. Non, c'est assez bon boulot dans l'ensemble, mais j'ai remarqué, je ne me rappelle plus, c'est derrière je crois, j'ai remarqué, ah voilà, je sais pas si vous avez vu ici. Là, la vis là, il est mal vissé. Quand on voit une vis comme ça et que vous n'arrivez pas à visser correctement malgré le tournevis, c'est un vis qui est mort, parce que le trou, ils ont forcé le trou de façon pas droit en fait, ils ont vissé dans le trou mais ils n'ont vissé pas droit. Du coup, ils ont foutu en l'air le trou. Donc, c'est impossible de visser correctement maintenant. Parce que le trou a été trop écarté. Donc, maintenant, le vis tourne en rond. Donc, il n'est pas fixé correctement. Voilà, le seul petit défaut. C'est quoi? Voilà. Donc, la plaque, on peut... à main, donc on peut le faire soit à main, manuellement, soit par tournevis ici. Et là on vient sur le dessous de la tour, le pied donc de la tour. Voici comment c'est. Tout simple, rien de spécial, juste avec un filtre d'air qu'on peut attraper par le bas derrière le dos du tour de la tour. Voilà, il ressort un petit filtre pour dépoussiérer et pour essuyer. Il y a un ventilateur de la clim là ici, de la marque Corsair, qui aspire ici apparemment. Il aspire l'air vers l'intérieur. Les palmes, on voit la courbe des palmes, c'est s'il aspire ou il rejette l'air. Donc c'est très petit son filtre. Mon ancien tour est deux fois plus grand que ce filtre là. Apparemment cette tour là, je crois qu'une... Bon, à part il y a la vitre de devant, mais je trouve qu'il est un peu moins bon que ma tour, ancien tour de la marque Corsair Carbit, je crois, oui, c'est ça, Carbit 06. C'est la référence de mon ancien tour. Voilà, donc un filtre ici, un filtre de devant ici pour les trois ventilations de devant, donc ici, et le troisième filtre. C'est en haut de la tour où on retire avec l'aimantation. Voilà les trois tours. Un petit coup d'œil sur la carte mère et ses composants. Non, l'ensemble, le montage est très bien. Je voulais l'assemblage plutôt, on dit pas montage, montage c'est pour le montage vidéo, là ici c'est l'assemblage des pièces. Donc voilà, c'est bien, ils ont très bien travaillé chez Megaport, et tout le matos qu'on a vu, j'ai oublié de vous montrer peut-être la carte graphique,
ça ici. Zotac. Zotac, oui. C'est vraiment Zotac. Ah, c'est écrit ici. Donc c'est assez lourd, la carte graphique, par contre. Double prise d'alimentation pour la carte graphique. 4 barrettes en RGB, 4 barrettes de mémoire, toujours de la marque Corsair Vengeance RGB, 16 giga, oui, 16 giga la barrette, donc 64 giga en tout. Et c'est tout, hein. J'ai rien oublié. Voilà. Ah, j'avais pas remarqué en fait le filtre ici de devant là. Pour les 3 ventilateurs, il est aimanté aussi. Ah, j'avais pas fait gaffe. Il y a les aimants. 4 mini aimants. Qui fait que on met les 2 petits crochets ici en bas dans le trou de la tour. Et le reste est aimanté. Voilà. Donc, j'insère ici. La tour avec sa vitre de protection. Le film de protection n'est pas encore retiré. Très bon boulot de la part de Megaport. Au niveau installation, câblage. Et au niveau matériel, c'est exactement comme indiqué sur le site de vente chez Amazon. La puissance du PC est très bon. Bah, pour le prix qu'on met aussi, mais malgré ça, quand je dis pour le prix qu'on met, mais il y a certains constructeurs qui ont fait des prix assez chers aussi, mais qui ont certains éléments qui sont pas aussi aussi complets, aussi bien garnis que ce modèle là. Vraiment, j'ai sélectionné ce modèle là après avoir vérifié tout, sur tous les sites de vente et les sites d'assemblage personnalisé, et apparemment c'est celui de Megaport qui comporte un peu plus de pièces pour chaque certaines choses, et pour le rapport qualité prix c'est le meilleur en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai sélectionné ce PC. Normalement je le monte moi-même tous mes PC depuis plusieurs dizaines d'années. Donc c'est la première fois que j'ai pris un PC qui est déjà monté par une entreprise comme Megaport. Alors que d'après les informations sur les commentaires sur la marque, c'est pas très bonne au niveau commentaires. Mais celui-là, comme j'ai vérifié d'abord le matériel qu'ils ont, donc je l'ai acheté quand même malgré que qui a des mauvaises commentaires. J'ai remarqué que c'est des pièces que si j'ai voulu absolument en fait après avoir fait des tri et tout ça sur les rapports qualité-prix. Donc voilà, il est excellent, vous pouvez aller, hein. C'est un très très bon tour, très puissant, mais le prix aussi, hein. Il est puissant là.